Faustine Bollard animait un nouveau numéro de Ça commence aujourd'hui sur France 2 ce mardi 22 octobre 2024. Cette édition inédite du magazine Testimonial avait pour thème « Profilage, police d'élite, elles sont au cœur des enquêtes ». Pour parler de ce sujet, l'animatrice recevait Marie-Laure Brunel-Dupin, chef de la Diane, Sonia Fibleuil, commissaire divisionnaire de police et Léna Higlebaye, commissaire divisionnaire de police. Ce numéro de Ça commence aujourd'hui, diffusé entre 13h53 et 14h51, a réuni 892 000 téléspectateurs, soit 11,9% de part de marché sur les 4 ans et plus. Sur une semaine, l'émission perd 0,6 point de part d'audience. Sur un an, le programme animé par Faustine Bollard est également en régression avec une perte de 0,8 point de part d'audience. Ensuite, France 2 enchaînait avec un second numéro de Ça commence aujourd'hui, qui est une rediffusion. Le thème de cette édition, spéciale célébrité, était « Cet exil qui a tant marqué leur enfance ». Pour en parler, Faustine Bollard, qui a récemment été dégoûtée, recevait Sylvie Vartan et Macha Merrill. Cette rediffusion de Ça commence aujourd'hui, programmée entre 15h03 et 16h02, a rassemblé 541 000 fidèles, soit 9,6% sur l'ensemble du public. Sur une semaine, le magazine Testimonial est en baisse de 1 point de part d'audience. Sur un an, l'émission subit une perte de 1,5 point de part d'audience. En frontal, TF1 fait mieux avec Plus belle la vie, Encore plus belle et un téléfilm de Noël face aux deux numéros du programme animés par Faustine Bollard. Par ailleurs, sur la cible commerciale, les deux éditions de Ça commence aujourd'hui ont respectivement séduit 8,9% et 3,9% des femmes responsables des achats de moins de 50 ans. Le premier numéro de l'émission est battu par TF1 et par Un jour, un doc sur M6 auprès de cette cible. En revanche, en plus d'être dominé par TF1 et M6 sur la cible commerciale, le second numéro de Ça commence aujourd'hui se retrouve derrière Monk sur TMC, 7%, les frères Scott sur TFX, 6,6%, K19 Le piège des profondeurs sur Arte et par La petite maison dans la prairie sur CER, 4,6%. Ainsi, Faustine Bollard se retrouve lourdement sanctionnée auprès des femmes responsables des achats de moins de 50 ans. France 2 accuse donc le coup.